vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Magali. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Hi to my new subscribers. Thank you for subscribing. Aujourd'hui, je vais vous présenter des lentilles de contact de couleur de la marque Just for Kira qui m'a gentiment été envoyée. Donc, vous allez me voir les porter. Et donc, on m'a envoyé 4 paires, je dirais. Oui, 4 paires de contact. Et voici la marque. Just for Kira. Et alors, ce que vous recevez dans le petit colis quand vous commandez, une petite note d'instruction, comment poser, comment prendre soin de ces lentilles. Après, vous avez des petites boîtes de lentilles où vous pouvez bien sûr garder vos lentilles. Et vous avez aussi à l'intérieur des applicateurs pour les poser et pour les enlever. Alors, pour le packaging, vous avez des très très jolis packaging comme celui-ci. Super mignon, super beau. Vous avez aussi des packaging comme celui-ci. Ou bien sûr, celui-ci. Voilà, par contre vous recevez pas, vous savez le petit liquide pour nettoyer vos lentilles, ça vous devez acheter, ça coûte vraiment pas trop cher, pas cher du tout. Alors vous retrouvez la marque Just for Kira sur Instagram et aussi bien sûr ils ont leur website où vous pouvez commander des lentilles. Alors la marque propose des lentilles de couleur mais wow, vous avez un choix, c'était vraiment très difficile pour moi de choisir. Malheureusement, en fait, le fait de choisir sur online, sur internet, sur l'ordinateur, l'écran, c'était assez difficile pour moi de choisir. Mais après, vous avez aussi les descriptions, en fait. Ils vous disent à peu près la couleur et aussi, vous voyez une fille, des filles, en fait, qui portent les lentilles. Malheureusement, j'ai vu que des caucasiennes. J'ai pas vraiment vu une femme de peau noire qui portait les lentilles, donc c'était un peu difficile de choisir, mais bref. Alors si vous êtes une personne qui porte des lunettes, ne vous inquiétez pas parce que sur leur site website, vous pouvez aussi commander des lentilles de couleur et mettre vos détails en fait de prescription ou d'ordonnance, donc ce qui est super bien, super cool. Aussi, la durée des lentilles est de une année, donc 12 mois, ce qui est top, top, top. Alors, on va passer à l'application des lentilles. Sincèrement, ça fait très longtemps que j'ai pas porté des lentilles. Ça doit faire environ peut-être 3 ans, donc ça va être un peu compliqué. Bien sûr, comme je vous ai dit, vous avez l'applicateur. Donc, celui-ci, c'est pour les enlever. Donc, c'est une pince, en fait, pour enlever. Donc, vous allez juste pincer un peu la lentille. Oui, la lentille. pour l'enlever. Et là, vous avez l'applicateur. Voilà ce que ça donne. Donc, c'est juste ça. Voilà. Alors, je vous mettrai toutes les descriptions et quelques détails dans la barre d'infos. N'hésitez pas à ouvrir. Aussi, vous allez voir les prix si vous partez visiter leur site website. Sincèrement, ils sont en train de faire des promotions. Donc, n'hésitez pas. Je vois que c'est une tendance cette année. J'ai vu sur... j'ai remarqué sur Snapchat, il y a un filtre de lentilles. Mais c'est super joli, super joli. Donc, quand ils m'ont contacté pour, voilà, pour que je choisisse... des lentilles de couleur, je n'ai pas du tout hésité. Donc la première paire que je porte, oh, super jolie, confortable. C'est vrai que les premières 10 minutes, c'était un peu, je sentais un corps étranger. Mais maintenant, sincèrement, je suis super à l'aise. Ils ont du choix, des couleurs vraiment imaginables. Vraiment super, mais moi, j'ai pas trop osé. Mais sincèrement, faites-vous plaisir. Donc maintenant, on va passer aux essayages. Bref, j'ai choisi en fait la première couleur que je porte. Donc c'est la couleur marron. C'est une couleur passe-partout pour les personnes qui ont le même teint que moi, la même carnation,
La peau ébène, c'est vraiment, je pense qu'il y a deux ou trois lentilles de couleur un peu plus foncée. Moi, je suis partie pour cette couleur-là. Donc, la première couleur que je porte, c'est... Je les ai déjà mis, en fait, dans les boîtes. Donc, la première couleur que je porte s'appelle Crystal Brown. Je vous mettrai toutes les descriptions juste ici. Je pense super beau, sultry. Oh, si vous voulez quelque chose de différent, oh, cette couleur magnifique. Je vais me rapprocher. Je suis en train de filmer avec la lumière du jour. J'ai pas utilisé la lumière artificielle. C'est très 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 joli en tout cas. Très très différent. Waouh, j'adore. Super joli. Ça c'est une couleur que vous devez porter en soirée. Ouais, en soirée. Sinon c'est un gris très très subtle. Je savais pas que ça allait faire un effet assez un gris foncé vu que j'ai les yeux marron foncé. Donc je pense que trop beau en tout cas. C'est la première fois que je porte une couleur comme ça. Alors voici ma troisième paire de lentilles et celle-ci s'appelle Jelly Brown. Très très jolie. Très 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 beau en tout cas. Je vais me rapprocher. Excusez-moi, en fait, le fait de porter des lentilles, le fait que ça fait très longtemps que je porte pas de lentilles, donc je suis en train de galérer un peu et mon maquillage a fondu un peu parce que voilà, je galère en fait. Donc ne faites pas attention à mon maquillage et comme je vous le dis encore, je filme avec la lumière naturelle, le soleil en fait, qui frappe sur mon visage. Que vous voyez les lentilles parfaitement bien. En fait, pour que vous voyez la couleur naturelle. Pour cette couleur de lentilles, Jelly Brown, on dirait que c'est un bleu turquoise foncé avec un peu de marron. Donc c'est très différent, très joli en tout cas, très joli, j'aime bien. Alors pour ma toute dernière paire de lentilles, la référence est Sita Hazel, donc c'est une référence châtain, mais c'est celle que je préfère le moins. Ça donne vraiment un effet yeux de serpent, yeux de reptile et un effet aussi... pas assez naturel en fait, mais voilà, pourtant c'est vraiment la couleur que je voulais, mais j'ai été surprise par les autres références que j'ai vraiment beaucoup aimé en tout cas. Donc je vais me rapprocher pour que vous voyez ce que ça donne. C'est trop joli sur la caméra, mais ouais, c'est trop beau. Donc voilà ma revue des lentilles de couleur de la marque Just for Kira. N'hésitez pas à ouvrir la barre d'infos si vous voulez profiter de mon code de réduction pour vous acheter des lentilles de couleur. Sur ce,
On se retrouve sur ma prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye. N'oubliez pas de me mettre des pouces vers le haut et de partager aussi ma vidéo. Cela me fera très très plaisir. Bye bye.